Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, YouTube, bienvenue, nous sommes actuellement live, il est 21h52 et quelques, et on est parti pour l'épisode 9 qu'on va enregistrer. Vous êtes toujours aussi nombreux en live, ça fait extrêmement plaisir, vous êtes 1700 à être prêts à paniquer en direct, tous ensemble, et ça, quel plaisir, comme on dit. YouTube, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, tout le chat de Twitch dit coucou YouTube. Voilà, vous irez voir en rediff. Ça vaut le coup d'œil. On est donc parti, on reprend directement où nous en étions. C'est-à-dire, après l'incendie, il y a toujours un alien pas très très loin. J'ai plus de piles dans ma lampe torche. Et tous ceux qui sont mineurs dans le chat, ne regardez pas. Coupez le flux, les gars, parce que là, il va être 22h, faut aller au lit. Demain, vous avez école. Et j'ai pas envie d'avoir de problème avec vos parents, ok? Allez, on y va. Je rappelle évidemment que ce jeu est déconseillé au moins de 18 ans. Merci pour les 10 euros, Marc Lop. Merci, mon frérot. Pas grand-chose, mais toujours bien en l'honneur de Nolan. Merci, mon frérot. On a donné des conseils à un petit gamin qui s'appelle Nolan, qui a 11 ans dans le chat, qui va d'ailleurs aller au lit. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il peut pas avoir... Oh putain, les gars, ça m'a donné. Il peut pas y avoir d'aliens, là. Vous m'avez dit que les aliens... Enfin, que l'alien pouvait rentrer là. Mais c'est pas possible. Je n'ose y croire. Quoique... Quoi? Non, c'est du mytho, ça, par contre. Ça, frérot, c'est du mytho. Je peux pas faire demi-tour. Je suis forcément mort, hein. Ça, c'est du mytho, ça. Cascade? Il manque un morceau. Il faut que je répare ça. Trouver un cylindre de compression pour réparer l'ascenseur. Réparation requise. Tirez sur tout ce qui bouge. Quel bordel! C'est bon, arrête de paniquer. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué! Et maintenant, ils sont morts aussi. Alors arrête de paniquer et calme-toi. Ok. N'oubliez pas qu'on en avait utilisé deux ou trois quand même. On est pas mal, hein. Ah, on crée, les gars. Il n'y en a jamais trop. Ok. Ça fait flipper de ouf les portes là. Ok, ils sont trois. On peut s'en sortir. Mahoney, t'es vivant. On s'est fait attaquer. Des pilleurs. On a tout vu sur les images de la sécurité. Vous pouvez me diriger ? On est coincé. L'ascenseur est en panne. C'est juste à côté de l'entrepôt des systèmes et des synthétiques. Il y a plein de trucs pour le réparer. On sait pas trop où chercher. Ben, mettez en marche un androïde de réquisition. Il est malade ou quoi? Peterson demande si t'es pas devenu complètement taré. Je te rappelle que ces trucs se sont mis à attaquer tout le monde. Il reste amico tant qu'on fait rien d'interdit. Ça devrait pas poser ce problème de parler à un androïde dans un entrepôt. Il saura comment réparer l'ascenseur. Ok, terminé. Enfoiré. Ça devrait pas poser de problème? Ben moi je vous préviens que je vais pas faire ami-ami avec un de ces trucs. Ok. Je suis quand même moyennement serein. Faites gaffe au moindre bruit. Il pourrait être n'importe où. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Une minute, laisse-moi réfléchir. Vous pensez que c'était quoi le bruit tout à l'heure? Ça ressemblait à une explosion. Ça, j'avais bien compris, gros malin. Mais je veux dire, qui a fait exploser quoi? C'est sûrement Waits. J'ai entendu dire qu'il essayait de tuer la créature en posant des pièges. Des charges à détonateur. Vous vous rendez compte? Ce mec a perdu les pédales. Peut-être que c'est la solution. J'ai entendu dire que Waits tient une sorte de corne réfugiée pas loin des galeries. On pourrait y aller. Vous avez rien écouté de ce que j'ai dit ou quoi? Ce timbré fait tout péter. Non merci. Ouais, mais on n'a plus beaucoup de choix. Alors ferme-la et laisse-moi réfléchir. Ok. Ça, c'est le Covid, ça, monsieur. Il
bruit sismique un peu tout là. Seul. Les tirs ont dû attirer quelque chose. Lâche l'affaire. Content de vous voir, les mecs. Putain, mais c'est pas possible. Y'a rien en fait ici. On est venu juste pour voir cette scène. Va falloir qu'on dorme bientôt. J'en ai ma claque de tout ça. Ah, là-haut. Ok. Ça va, ça va, ça va. Ça va, le son du jeu, il est assez fort. L'alien là qu'on entend hein. Non. Genre il est là. Je pense pas qu'il puisse se montrer. Parce que c'est une petite chienne l'alien. Tu m'entends ? Aller sur le bordel là. Ah, je savais pas ça. Non, mais c'est pas possible, faut suicider pour avoir le. Je pensais détester Sixon. Ok. Ok, 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 ok. Sûrement quelque chose par ici. Il est en deux à coup le bordel. Bon. Erreur, très bien. Smith, au rapport, directeur de développement des synthétiques, je viens de recevoir des schémas. J'ignore combien on paye notre taupe. Ok. Très bien. Smith, j'ai jeté un œil à votre rapport sur les ondes reçues de la Wayland Yutani et à vos suggestions concernant l'amélioration des lambdas. Vous savez, j'apprécie le travail que vous faites. Mais comprenez qu'on ne vit pas dans le même monde. Le vôtre est rempli d'extrapolations et d'estimations. Le mien gravite autour d'une suite exécutive et d'un costard à $8,000. Tout ça pour dire, le flouze, mec, y'a que ça qui me préoccupe. Je vous ai engagé parce que vous étiez moins cher, pas le meilleur. Trouvez un moyen de rabaisser ses coûts, ok? Ransom, terminé. Les gars, je suis pas serein. Hein. Il y a l'alien qui tourne autour de moi. Là, on n'a rien à faire en haut, hein. On est d'accord. Hein. Ah, si. Oh putain, une save. Ok. Recharge ton taser. Attends, ça se recharge le taser là ? Oh, tu déconnes. Tu mytho. Mais non, ça se recharge. Oh, je suis dans la sauce. Non seulement ça se recharge, mais en plus ça se crée pas. On est dans la merde. Ok. Alors attendez. Voilà, mettez pause, hein, flemme. Inventaire du stock. Les boss veulent qu'on passe en revue tout ce qu'ils ont empilé dans les entrepôts. Ok. Erreur. Erreur, section corrompue. Erreur.
dorme bientôt. Je comprends vraiment pas là. Parfaitement à l'autre bout là, c'est ça? Ok. Je pense être au bon endroit. Hein. Je pense clairement être au bon endroit. Ça va swinguer. Hein. Bon, erreur. Ok, notre incroyable essor. En 2071, vers la fin du siècle, une étape fut franchie, étape qui façonnerait notre avenir commun. Sig Henson devient Simpson. Ce nom qui nous avait suivi des dessinées si familiers parmi les étoiles. Okay. Mike, vous êtes-vous familiarisé avec ce que vous allez dire aux VIP en visite aujourd'hui? Il faut qu'on fasse bonne impression. J'ai entendu dire que ce sont les derniers enchérisseurs. La production d'androïdes est d'une importance capitale à leurs yeux. Il faut absolument qu'on leur montre à quel point cet endroit est adapté à la technologie synthétique avancée. Un peu de baratin fera pas de mal, mais n'allez pas trop loin non plus. Foutez pas tout en l'air. Spelling, terminé. Pardon. Les gars, je le croise en haut ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Oh là là. Pouf. Niveau de sécurité trop élevé, très bien. Niveau de sécurité. Wouah, je me suis chié dessus, c'est quoi ça? Oh merde, je prends cher. Ok. Très bien, on va descendre. Ah. Évidemment. Ah ouais, mais ça veut dire que c'est en haut. Non, ça va être un problème, ça. Faut que je récupère une sorte de masque, peut-être. C'est horrible. Ils sont très très forts pour te... Ça, c'est très fort, ça. Te mettre des bruits un peu chelous, sismiques. Ah, il me faut une combinaison, peut-être. Oh là. Ça sent pas bon. Oh là. Ok. Ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon ça. Ça mon petit pote. Ah, oh, ils sont forts. Écoutez l'ambiance. Et là, genre, on n'entend plus l'alien. Ok. Ok. T'as pas aimé le film Alien? Il est très bon, Alien. Allez! Bien, il y a un niveau en plus. Il s'agit de l'androïde de réquisition.
sont connectés en attente d'activation. Activer l'Android. Ok. Très bien. Ok, j'ai vu un petit truc à gauche à récupérer aussi. Maintenant que vous m'avez viré, il va falloir descendre de votre tour d'ivoire et prendre le relais. Les gars qui démantèlent Sébastopol ont un accès libre aux provisions et stocks. Mais tout doit être enregistré. Alors utilisez l'android de réquisition. Démarrez-le, sortez-le de sa boîte et observez-le partir. Un peu comme moi. Hein. Quand vous aurez ce message, je serai déjà bourré. Ok. Je viens de recevoir un message, lâchez-moi la grappe, rangez un. Attends, pas trop dur de mémoire, je peux vous dire que les pièces dont vous avez besoin se trouvent dans l'entrepôt des composants, rangez un, rayon B. Rangez un, rayon B, retenez ça. Denning, vous saviez pertinemment que ces mecs étaient les derniers enchérisseurs pour le système Apollo de Sébastopol. Et vous avez complètement merdé la présentation. Rangez un, rayon B. Dans le stock. Pas de prime pour moi, pas de moitié pour vous, système. Et qui sait ce qui va se passer pour les bureaucrates de l'étage du dessus. Ça m'a vraiment saoulé. Mais vous savez ce qui me fout encore plus en rogne? Je dois rester sur Sébastopol et me coltiner la supervision de la mise à l'arrêt des synthétiques pendant que vous rentrez tranquillement chez vous. J'espère que vous ferez pas de cauchemar sur le chemin du retour, du con. Faut que je fasse gaffe. Je dois l'actionner, le man ? Peut-être que je l'actionne, hein. Comment puis-je vous aider ? J'ai besoin d'un cylindre de compression. Dépôt de composants. Rangée 1, rayon B. Suivez-moi. Essaie de pas faire trop de bruit, ok ? Ok. Qui s'est arrêté de respirer, là, allez ? Qui se retient à respirer là? Vous doutez bien que ça serait trop beau hein, d'être accompagné par un robot comme ça un peu trop longtemps. Ah ouais. Il y a la carte le ref là? Quoi? Se trouve à l'extrémité de cette rangée. Il va mourir. Zinedine ? Ah ! Oh putain, c'était sûr. Zinedine ? Vous allez bien, monsieur ? Putain, il était cool pour toi. Ok. C'était, il était vraiment cool. Hein. C'est le seul qui nous voulait pas de mal. Qui voulait pas. Pardon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis censé faire là-dedans, moi? Thank you.
place. D'accord. Bah ouais, mais... il peut pas sauter dans le jeu. Ah d'accord, ok, j'ai une idée. Bah, si je passe là, où est le problème? Bah voilà. Bah, c'est pas ouf l'énigme, hein. B. C'est ça. J'ai pas compris. Ah, c'est ça. Laissez-moi réfléchir. Donc... ok. Ok. Là, il y a du bonus. Alors, ce qu'on va faire... j'ai compris. Putain, c'est pas vrai. La musique, hein. Je suis pas serein, hein. Je suis vraiment pas serein de la musique là, hein. C'est quoi, je vais essayer. Je suis mort. Ah, non, je voulais save. Non, je voulais juste save. Oh, j'ai le seum. Ça va, toi? Toujours moi? Bah, il y avait pas un PC ici? Non. Bah, c'est pas grave, hein, on est reparti, hein. Quelle triste histoire. Je dois remettre le courant. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Ok. Faire ça rapide et cette fois-ci on va save au bon moment.
Ah non, là c'est terrible ce qui m'a collé, les gars. Je vous avoue que je suis en somme. Hein. Je suis en somme gigantesque. Hein. Ah, ça, on l'avait lu. Smiles, ici Spedding. Vous saviez voilà. Évidemment que c'est... Bon, allez, on va save cette fois. Chérisseur pour le système Apollo de Sébastopol. Et vous avez complètement merdé la présentation des androïdes. Ils ne sont pas intéressés. Du coup, pas de peine pour moi, pas de moitié pour vous qui s'aiment. Et qui sait ce qui va se passer pour les bureaucrates de l'étage du dessus. Ça m'a vraiment saoulé. Mais vous savez ce qui me fait encore plus en rogne. Je dois rester sur Sébastopol. Ok, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. De la mise à l'arrêt des synthétiques pendant que vous rentrez tranquillement chez vous. Il a l'alien fraîche. Elle est bonne la blague. Bonsoir. Vous êtes Subprime ? Comment puis-je vous aider ? J'ai besoin d'un cylindre de compression. Dépôt de composants. Rangé 1, rayon B. Tellement bien fait. Faire trop de bruit, ok ? Ils sont tellement bien faits quand même. Je veux dire, la texture de la... du plastique qui imite sa peau. Voilà, j'ai mis un coup de pression, le manon. Et les gars, pour 2014, le jeu, il est vraiment propre, par contre. Hein. Adieu, frérot. Je t'aimais. T'avais l'air sympa, mec. Bon, bah, vu que je sais qu'il va canner... On en profite maintenant. Hein. Nous y voilà. Votre cylindre de compression se trouve à l'extrémité de cette rangée. Adieu, mon ref. Oh. L'homme fort. Ça va, frérot ? Moi, je t'ai déjà vu mourir, ça me fait moins mal. Allez, on est reparti. Allez, on est reparti. Attendez. Peut-être le moment parfait pour save là, non? En vrai. Qu'en pense le chat? Eh non, vas-y après, fuck that. Fuck that, on est des vrais bonhommes. Même si j'incarne une bonne femme. Alors. Comment il est là? Ok. Une cavale. C'est les problèmes ? Eh ben, on va pouvoir s'arrêter là, parce que ça fait un bel épisode de 30 minutes. On passe à la suite, YouTube, n'oubliez pas le j'aime. Et le commentaire, ben oui, déjà 30 minutes, je sais, chat, je sais, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. Je vous fais des bisous YouTube et on continue en live pour l'épisode 10. Venez sur les lives, on est en live tous les dimanches au dimanche d'après à 19h. Et comme ça, vous pourrez suivre ça en direct. Bisous YouTube, à tout de suite, évidemment.